Situé dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, les départements de Korogo, Ferkessédougou et Boundiali demeurent les zones de production par excellence de la mangue, avec environ 180 000 tonnes de mangue fraîche produites chaque année. Seulement 10% de la production nationale, soit 18 000 tonnes, sont exportées. Par ailleurs, les 90% de la production sont confrontés aux problèmes de conservation et de commercialisation, occasionnant la pourriture des productions sous les manguiers et la vente à vil prix aux commerçantes. Avant, quand je vendais aux femmes Djoula, je n'arrivais pas à garder quelque chose parce que l'argent n'était pas trop ça. Et aussi beaucoup pourrissait les choses au champ. Avant, il fallait prendre crédit pour aller entretenir les champs. Avant l'arrivée de l'unité, nous étions obligés d'aller chercher la mangue sur la tête. C'était vraiment fatigant parce qu'on ne pouvait pas vendre. Pour faire face à ces difficultés, 3 unités de production de mangue séchée ont été offertes par le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, sous l'égide du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, à 3 coopératives productrices de mangue fraîche. Il s'agit des coopératives Wopina Oignon de Ferke, la fruitière de la Bagoué de Boundiali et Ginagnon de Korogo, afin de réduire les pertes post-récolte estimées à plus de 50% de la production. Inaugurées et mises en fonction depuis mai 2015, presque en fin de campagne, ces unités de production de mangue séchée ont fonctionné pleinement au cours de la campagne Mangue 2016. Une incursion de l'équipe de reportage du WAP au sein de ces unités nous a permis de s'enquérir de l'impact de ces unités sur la production de la mangue. Nous avons eu comme objectif cette année de pouvoir produire 10 tonnes de mangue séchée. Des raisons qui ne demandent pas forcément de notre volonté, parce que les vergers de mangue n'ont pas donné cette année. Nous avons produit 7 tonnes 800, qui nous donne en équivalence comme mangue fraîche 120 tonnes de mangue fraîche. Et nous envisageons, jusqu'à la fin de la campagne, pouvoir produire 8 tonnes 500, qui nous donne approximativement 150 tonnes de mangue fraîche. Cette année, la production n'a pas été grande. Il y a beaucoup de mangues qui n'ont pas donné. À part l'exportation de la mangue conditionnée, j'ai fait 22 tonnes 100 de mangue fraîche. Et ici, à l'unité. Pour la mangue fraîche, là, j'ai fait 4 bâchés et plus de kia. Ça, c'est la mangue conditionnée. Maintenant, le reste qui pourrissait. À cause du fou, ça ne pousse plus. Il a fait venir 2 tonnes, 100 kilos. Avec un potentiel de production de 15 tonnes de mangue séchée chacune, ces 3 unités de production permettent d'écouler sur le marché environ 1000 tonnes de mangue fraîche sous forme de mangue séchée sur la période avril-juillet. Les variétés spécifiques de mangue, à savoir la quinte, l'amélia et le brook, toutes délicieuses au palais, constituent la matière première de choix pour la production de la mangue séchée. Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces producteurs, à se réjouir de la nette amélioration de leurs revenus grâce à ces unités. Avec l'arrivée de l'unité, vraiment tout a été facile pour moi cette année. Je suis arrivé à payer des sacs de riz pour garder. J'arrive à manger normalement, je paye mon médicament. Et l'argent que je dois prendre pour entretenir mon champ, 35 000 à 40 000, c'est déposé. Avant l'arrivée de l'unité, on chargeait la mangue sur la tête et c'était vraiment fatigant, surtout pour moi à mon âge. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'unité, on prend dans des camions pour venir. Et ils viennent, l'argent se donne en gros. Ce n'est pas en détail comme avec les femmes du là. Donc j'arrive à prendre mon sac de riz, je mange bien, je paye ma viande, mon poisson, je paye mon médicament. Et mes petits-enfants qui sont à côté de moi, j'arrive à m'occuper d'eux. Cette année, je suis content parce que c'est presque 11 ans. On est en train de faire travail de mangue. Mais grâce à l'usine de Boundiali, j'ai fait 7 tonnes cette année d'enciment à Hambourg. Donc maintenant, j'ai prêt de construire. Voilà. C'est grâce à l'usine de Boundiali que j'ai eu ça. Avant, j'ai gagné 10 tonnes ou 12 tonnes. Maintenant, j'ai gagné presque 20 tonnes du mangue. Pourquoi? C'est parce que le mangue qui gâtait avant, ce nom au champ, ne gâte plus.
J'ai gagné moins, maintenant je gagne plus, je suis content. Environ 300 employés, pour la plupart des femmes, travaillent fièrement durant la campagne. De la pré-collecte des mangues dans les champs, en passant par le triage, l'épluchage, le séchage, la mise au four, la découpe et la mise sous emballage, toutes ces étapes réalisées minutieusement permettent la mise à la disposition des consommateurs de la mangue séchée de bonne qualité. Le nombre de personnes que nous avons employées, 55 personnes cette année. Si nous avons un deuxième four, ça va faire un peu plus. Et parmi les jeunes que nous avons employés, il y a 3 personnes qui sont qualifiées et qui, un, a un BTS, 2 ont un BT. Hein, le chef de production a un BTS, les deux autres, hein, son adjoint a un BT et le chef de la maintenance, lui, a un BT. Ici, nous sommes chargés de découper les mangues au niveau de la section, de cette section. Je pèse les mangues et on envoie dans le trempage et ainsi de suite sur les clairs. Avant, on était au chômage. Avec l'arrivée de l'unité, ça nous a permis de prendre un peu nos problèmes, même si on n'arrive pas à les résoudre à 100%, puisque l'unité ne tourne pas 12 mois sur 12. Donc on aimerait qu'à la longue, on puisse avoir autre chose pour accompagner la mangue, puisque la production de mangue dure au plus 4 mois. Ça m'aide à me prendre en charge, ça me permet d'avoir mon sac de riz, les petits besoins de la famille, c'est bon. L'usine de mangue est la bienvenue parce que ça m'a permis de m'occuper de mes enfants. Grâce à l'usine de mangue, j'ai porté du bassin riche à mes enfants pour la fête de cette année. Oui, ça c'est très bon. Puis grâce à l'usine de mangue, je mange ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je ne demande pas 5 francs à garçon puisque je n'ai pas de mari. Donc je ne demande pas 5 francs à garçon. Et pardon, il faut me faire ça ni à mes frères ni à mes soeurs. Maintenant, je suis libre de ce que je fais. Vraiment, l'usine de mangue, elle est comme ça. J'ai 2 enfants, je m'occupe de leur école, de leur manger, de leurs chaussures. Même s'ils sont malades, c'est moi. Grâce à l'usine de mangue. Vraiment, l'usine de mangue, bravo. J'ai commencé à m'habiller moi-même. Et puis, ma petite famille, le vieux, la vieille, tout le monde vit. Donc, j'ai commencé aussi à leur donner des bonnes nourritures. Et puis maintenant, l'entretien du champ, il n'est plus le problème. Avec l'engouement suscité auprès des populations par ces unités de mangue séchées, la production de mangue connaît un nouvel élan avec la création de nouveaux champs de mangue et la restauration des champs abandonnés. Nous qui avons les champs de mangue, souvent on peut se trouver avec des gens qui n'ont pas de champs de mangue, qui parlent mal, mais si pendant le débat, on n'est pas d'accord. Voilà. Parce que déjà, les mangues qu'eux voyaient, qui pourrissaient dans le champ, ils ne voyaient plus ça. Maintenant, et ils regrettent maintenant pourquoi ils n'ont pas fait de mangue. Et nous, tellement qu'ils se moquaient de nous, donc nous, on est en joie. Voilà. On est vraiment en joie. Et on est en train de... Moi-même, je cherche à développer encore le champ et mettre beaucoup de variétés parce que j'ai vu que le fou travaille plusieurs variétés. Et c'est ce qui nous arrange plus, que ce soit la Quinte, Bruce, Amélie, et Palmer, Kate, tout est travaillé. Actuellement, l'argent que j'ai déjà eu, je suis en train d'augmenter mon champ en ajoutant 2 hectares sur les 10 hectares pour me faire 12 hectares de mangue. Pour encore gagner plus. Pour les présidents des coopératives bénéficiaires, les unités de séchage constituent une action salutaire pour les producteurs de mangue. Cependant, beaucoup reste à faire pour permettre à tous les producteurs de mangue estimés à plus de 1500 d'en bénéficier. La capacité de production de l'unité est réduite. La capacité de production est réduite. Par jour, nous ne pouvons que consommer 2 tonnes. Et 2 tonnes pour 24 heures. Vous voyez un seul producteur qui a 30 hectares,
qui doit produire 60 tonnes, si on doit prendre 2 tonnes par jour, lui seul, il va prendre un mois. Et nous allons 4 mois seulement pour 517 planteurs pour une surface de 1600 hectares. Vous voyez, l'unité, c'est trop réduit. La capacité, c'est trop réduit. Il faut en ce moment qu'on multiplie les unités pour que chaque département, chaque sous-préfecture puisse avoir ses unités pour permettre d'absorber, de diminuer les pertes de production. Sans quoi, ça réduit un peu seulement du problème, mais ce n'est pas en totalité. L'unité de séchage de la mangue séchée reste quand même un bon acquis pour la région parce qu'elle a une capacité de 15 tonnes de mangue séchée qui nous donne 230 tonnes de mangue fraîche environ. Donc, ça ne résout pas les problèmes des producteurs, mais elle diminue un tant soit peu les pertes post-récolte. Donc, nous lançons encore un appel à tous les producteurs au niveau de la région de la Bagoué qui ne savent pas que nous avons une unité de séchage de mangue à Boundiali, de nous faire parvenir leur mangue quand la campagne de mangue commence et de vraiment traiter les vergers de sorte que nous ayons des mangues de bonne qualité et que nous puissions traiter avoir des mangues sèches de meilleure qualité aussi. Nous lançons aussi un appel aussi à nos bailleurs de fonds avec la collaboration du FICA, le Fonds mondial, le WAP, etc. Leur dire que nous avons encore besoin de séchoirs. Un seul séchoir n'est pas quand même assez pour la région. Parce que c'est une région productrice de mangue. Donc nous avons encore besoin de beaucoup plus de séchoirs pour pouvoir augmenter notre capacité de séchage et pouvoir résoudre un tant soit peu les problèmes post-récolte au niveau de la région. Commercialisée sur le marché export, la production de la mangue séchée à Korogo, Ferkessédougou et Boundiali est le fruit de la coopérative régionale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans le cadre du WAP.